qui se passe. Rentrez. On rentre tous. On rentre tous. Non, mais là, on est obligé de rentrer. Arrêtez. Pourquoi vous ne nous laissez pas rentrer? 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 C'est une honte. C'est quoi ce fils de pute, là? Vraiment. Non. Regardez ce qui se passe. Ils veulent même pas qu'on rentre. C'est la honte. C'est la honte. Rentrez. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Mais pourquoi on rentre pas? Il se passe une catastrophe au village à Castignani. Pourquoi vous faites rien du tout? C'est n'importe quoi, ça, c'est scandaleux. C'est une honte. C'est n'importe quoi ce truc. Vous avez même pas honte. Vous fermez la porte, il se passe des atrocités au Mali. Vous me laissez tranquille. Et je filme. Vous allez faire quoi? Vous avez même pas honte. Imbécile, va. Regarde-moi, il a même pas honte. C'est vraiment des Maliens. C'est vraiment des Maliens. Il a même pas honte, ce type. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous trouvez... Vous avez rien à voir dedans, mais vous faites partie de l'ambassade du Mali. Pourquoi? C'est le consulat, il se passe des atrocités au village à Castignani. Il faut trouver une solution. Vous fermez vos portes, on veut parler à l'ambassade, c'est tout. Mais je m'en fous, pourquoi ils bloquent les portes? Allez au village et vous allez voir ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en train de mourir, ils brûlent des maisons, vous croyez que c'est normal? Oui, c'est ça, restez en haut. C'est plus facile de parler en haut. C'est n'importe quoi. Même pas honte. Parce qu'ils savent très bien que ça va partir en couille. Et ce jinka là. Ouais, elle m'énerve cette conne là.